C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis. Quand un jour dans les collines, un grand troll s'est approché. Il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Et moi aussi, j'ai le droit de faire ma chanson culturelle d'abord. Bon, allez, on y va. Moi, ce que j'aime dans les cavernes, c'est qu'on peut aller piocher. On peut extraire du minerai et des pierres pour les tailler. On n'est jamais emmerdé par les animaux crétins. Des fois, on peut bastonner quand on tombe sur des gobelins. Puis on court à la taverne. Parce qu'on a bien travaillé, et on s'enfile 40 pierres pour finir en train de gerber. Oui. Publicité Naholbeck. Prenons une scène banale de la vie quotidienne. Oh mince, pas de bol. Voilà des elfes. Dis donc le nain, fais gaffe en marchant dans l'herbe, tu vas te perdre. foutez-moi la paix. Remarque, on pourra facilement le retrouver en suivant les mouches. Et vous, vous êtes des sales elfes. Quel sens de la répartie. Oui, alors là, vraiment, je suis impressionnée. T'as pas l'air dans ton assiette. Forcément, je viens de me faire insulter par des elfes. Ah ouais, je comprends. C'est un peu la honte. Normalement, j'arrive toujours à les casser, mais aujourd'hui... Laisse-moi deviner, t'as rien trouvé. Exactement, une vraie misère. Moi, à ta place, j'aurais pris un Chiantos. Mais c'est vrai ça, pourquoi j'en avais pas sur moi? Et oui, avec les bonbons Chiantos, vous n'êtes jamais en panne de méchanceté à dire à vos amis. Chiantos, c'est une friandise à base de champignons des mines, enrichis en poudre de granit. Avec 2 bonbons par jour, vous pouvez facilement insulter 50 personnes. C'est vendu en bourse de cuir, de 100 grammes à 1 kilo. Allez, viens, on va s'en prendre un. 1, 2, 3, 4... Qui tape à la patate pour balancer des vannes, t'as le calembour qui faiblit. Pour un bonbon Chiantos dans ta besace, pour épater tout. À l'instant même où tu goûtes le bonbon, tu balances des piques comme un vrai champion. Chiantos, Chiantos, les petits bonbons nains. Chiantos, Chiantos, les petits bonbons nains. Pour emmerder le monde du soir au matin. Hé, hey, toi, t'as l'air aussi débile qu'un Nazgûl en tongue. Ah, Fillon, il a mangé des Chiantos. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain. Elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie.
Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. Du coup, ça fait court, là.